Nous tenons comme l'objectif pour nous améliorer la fourniture d'eau dans le pays. Nous tenons une de nos priorités pour ce mandat-là. Et vous allez dire, nous venons bien progresser dans ce qui nous promet. Mais c'est bon, bien sûr, travail-là, bizarre, continuer. Nous presser une arrive au bizarre d'envie, mais ayant des efforts qui nous bizarre continuer à faire pour nous arriver à 100% pour nous capables de gagner pour nous tirer de l'eau à tout bon consommateur. 24-7. Et je félicite le député Premier ministre parce qu'il est hérité d'une situation non seulement catastrophique, difficile, mais avec, comment on dit, avec raison, bagatelle d'âme. Hein? Grandement causé, qui causait à l'époque, le collectif problème gagné. Heureusement, une bizarre guette ban expert, une gagne, mon papa encore une fois dans mon détail, il a écouté de plusieurs ban experts pour le capable de travailler. Et une bizarre met un cut of fall. Parce que tout le monde connaît qui est arrivé, bagatelle, vous voyez, faire réservoir, c'est mon réservoir coulé. Alors, ils avaient le catapole et osé, ils ont aussi 3,3 milliards, ils arrivent 5,6 milliards, presque 6 milliards. Livrer une dépense beaucoup de milliards, comment député Prime Messen dit. Et nous sommes capables aussi d'augmenter le tarif de l'eau. Parce que nous, on peut montrer la population véritablement. Voilà qui nous fait dépenser, voilà l'amélioration qui nous permet et demande une augmentation de tarif. Nous ne pas faire ça. Nous ne pas faire ça. Nous disons, nous voulons à montrer la population qui disait qu'elle a amélioration avant. Nous disons travail, nous disons remplacement de tuyaux, nous disons construire réservoir, nous disons faire un rythme de plan. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous fiers. Moi, je veux dire comme Premier ministre et aussi ministre des Finances, pour fier que nous sommes capables de débourser par milliards et nous sommes capables de faire autant de progrès pour qui, comment le président de Central Water Board India et ici, une institution internationale qui peut dire qu'il y a Maurice. Nous pouvons être un des grands pays dans le monde qui peut faire autant de progrès. Et quand nous faisons le développement, quand nous dépensons 100 milliards, nous avons toujours dit une petite chose. Nous visons si tout pense à des gens qui ont bas de l'échelle. Des gens qui sont dans une situation difficile. Et vous avez dit encore une fois, merci, nous vous avons dit merci, député Premier ministre. Parce qu'il vient avec un mesure contre le consommateur qui consomme jusqu'à 6 mètres cubes d'eau par mois, n'a pas pour payer un sou. Nos visions, c'est améliorer le bien-être de sa famille, sa citoyenne dans ce pays-là. Et si vous pouvez trouver ça quand c'est le développement qui paye dans là. D'ailleurs, soyons francs. Peu importe les bons politiques, tout le monde reconnaît qu'il y a un développement, qu'il y a un développement sans précédent. Alors aujourd'hui, la question veut dire, nous nous faisons délivrer, nous nous faisons l'équipe couillonnaire, nous travaillons. Et mon capable si eux dans mon équipe, ils voient une équipe qui est dynamique, une équipe
qui pour partage même valeur que moi comme premier ministre, pour nous continuer à travailler dans l'intérêt du pays. Et nous n'avons absolument aucun doute, en moi dans mon esprit, qui nous pouvons gagner une autre bénédiction pour qu'il nous capable de continuer à faire sa nation-là encore plus prospérer, de continuer à moderniser le pays et nous faire vivre dans l'unité nationale. Et comment moi, je dis à mon terme, là, quand nous mettons la main ensemble, tout vient possible.